Bonjour, de retour avec Minecraft. Ici, c'est mon ami Joe. Dis bonjour à Joe. Oups, désolé. Donc, ici, je suis dans mon serveur, comme vous pouvez le voir. Joe, en fait, c'est pas une vraie personne. C'est moi qui s'ai créé un deuxième compte. Je suis le seul up en ce moment. Donc, vous vous rappelez, ceci est la page dont vous devez avoir. Vous devez marquer le code. Donc, ceci est le code. Si ça ne marche pas, ceux-là, marquez au complet. Donc, maintenant, hier, j'ai fait une vidéo de mon serveur. Et j'ai montré un petit peu qu'est-ce que j'avais fait à date. Mais maintenant, juste avec moins que 24 heures, j'ai créé une société au complet, sans l'aide de personne. Donc ici, c'est la parcelle publique, où est-ce que tout le monde peut aller chercher du bois. Mais comme c'est le max de hauteur ici, vous pouvez juste prendre 3 bois par arbre. Sinon, il ne pousse pas plus là. Ici, c'est comment vous rendez jusqu'en bas. Donc ici, c'est une parcelle libre. Toutes les parcelles vont venir avec un arbre. Comme vous voyez ici, un beau petit arbre. Il y a une autre parcelle là, une parcelle déjà construite. J'ai créé... Ça, c'est ma maison ici. La seule façon de rentrer, ça va être pour vous qui ont regardé mes vidéos. Il faut lancer une pomme ou n'importe quoi dans le trou et ça va ouvrir la porte. Comme ceci dans le fond. Donc ici c'est la station service. On va rentrer dedans. J'ai fait une société de Minecraft. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans mon serveur à date. Donc QC Fire, qui est en fait son vrai nom, c'est Simon. Il va me rejoindre peut-être aujourd'hui et on fera une autre vidéo. Je vais prendre un autre minecart. Ici, je ne l'ai pas fini, donc ça sera fini. Donc, ici, c'est mon centre commercial. Il est un peu vide, mais ça va venir. Ici, j'ai bloqué la porte parce que ça va être quelque chose que vous allez trouver. Ici, c'est la toilette publique qui n'est pas finie. Je vais juste travailler sur ça. Ici, c'est une expansion. Je vais finir l'expansion un peu plus tard. Donc, pendant que vous êtes ici. Donc, mon IP est toujours le même. C'est 5.119.214.9. Vous mettez ça, vous l'appelez Feel Fresh, comme ceci. Et vous connectez à mon serveur. 8 personnes max. En ce moment, nous sommes 2. Mais en fait, l'autre, c'est Joe, que c'est moi qui l'ai inventé. Donc, tout simplement. J'ai fait mon centre commercial dessus une espèce d'île qui flotte. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Tous les piliers, parce qu'il fallait que je monte en haut. J'ai tombé plusieurs fois. Donc, c'était comme une île flottante. Comme là-bas aussi, je l'ai fait sur une île flottante. Et il reste une dernière chose à vous montrer. Comme ça va prendre un peu de temps à y aller, je me suicider. Mon spawn point, il n'est pas perfectionné. Donc, ça se peut que vous spawnez toujours à des places différentes. Parce que c'est ça le problème qui est en train d'arriver souvent. Donc, on voit Joe. Bonjour Joe. Je vais me prendre un petit grass. Ouh.
maintenant. Ok, je vais passer par là. Aussi, il va voir. Ben là, c'est une mine publique. Je suis en train de travailler la mine publique. Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc, j'aimerais bien ça qu'on aille. On a des personnes qui viennent dans notre serveur. Ceci, c'est la deuxième partie de la présentation de mon serveur. Je crois que ça va être un bon serveur quand même. S'il y a assez de monde, check qu'il y a des ressources naturelles un peu partout. Ici, on a de la rock qui sort de la terre. Donc, ça, c'est une bonne place pour pogner des minéraux. Donc ici, il y a du iron, du coal. Donc ça va être là jusqu'à temps que vous venez. Ah, un petit lag. Ok. Donc il y a des boutons. Je sais pas pourquoi les leviers ne marchent pas, mais c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à date? On pourra continuer à creuser quand vous allez ici. Wow! J'ai lagué un petit peu. Donc je vais aussi faire une agriculture municipale. Ici on a des sheep. Donc ils vont être là jusqu'à temps que vous arrivez là. Inquiétez-vous pas. Ça fait au moins 3 jours qu'ils sont là. Ils sont un petit peu lagués. Comme vous voyez. Donc ils se sont fait genre une espèce de petite caverne là. Puis ça. Ah! Ok, donc un autre affaire, j'ai too many items, mais la chose c'est qu'il n'y a pas de dye, genre de couleur. Donc, aussi, une dernière chose que je voulais vous parler, c'est le code de monnaie. Donc, je vais sûrement pas télécharger le plugin de serveur avec l'argent et tout. Donc, comment on va commencer? C'est les fleurs rouges. Non, en fait, ouais, les fleurs rouges, ils valent 2$. Puis, les fleurs jaunes, ils valent 1$. Donc, ici, en tout, j'ai 4, 5, j'ai 6$. Donc, l'argent va être dépensé en dye. Le jaune, ça va être... c'est 1$, puis le rouge, c'est 2$. Donc, c'est ça, les choses vont être assez chères, parce que c'est quand même facile de se faire du cash dans un terrain comme ça. Et aussi, quand vous allez débuter, je vais vous aider je vais vous aider à construire votre maison. Je vais sûrement télécharger des mods, ainsi que des textures pack. Je vais donner des textures pack et tout ça. Pour tout le monde et je vous attends et j'espère que vous allez venir, hein. C'est juste ça. Donc c'est un très bon serveur à date. Ben il n'y a pas encore personne qui est venu. Simon qui en fait QC Fire, il est supposé de venir bientôt. Donc je vais faire la première vidéo en coop avec lui. Je vais faire comment débuter un Minecraft, fait que je vais faire un let's play. Donc, ceci la fin pour le serveur d'aujourd'hui. Donc, comment avez-vous aimé cette vidéo? Laissez un commentaire, une suggestion pour qu'est-ce que vous voulez que je vous montre de ce Minecraft. Subscribez et likez. Et à la prochaine!